رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربنا ومحمد رسولنا والإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الذي واتاه انك لا تخلف الميعاد اللهم سلك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وهدى الأمانة ونصح الأمة حتى توفاه الله وكان راض عنه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أما بعد، إخواني وأحبائي، كنا نتحدث عن أركان الإيمان حتى وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر، فلا علينا أن نمر على هذه النقطة إلا بعدما ذكرنا ما في الجنة بتفصيله وما في النار بتفصيله. الحمد لله. متخ شفخ الله سبحانه وتعالى كي أكري النجوم les étoiles, qui a créé les planètes, et des milliards d'étoiles et des milliards de planètes plus grosses que la terre dans laquelle on vit. Il nous a fait comprendre et savoir qu'il est capable de créer un paradis. Un paradis plus immense encore que tout ce qu'on peut imaginer. Allah a dit dans Sourate Luqman, Innal ladhina amanu wa aminu salihatina hum jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqa. وهو العزيز الحكيم خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها إلى آخر الآية. Allah سبحانه وتعالى dit dans cette sourate, dans sourate Luqman, première page, Allah dit: ceux qui ont cru et pratiqué les bonnes actions, ils auront les jardins de délices pour y rester éternellement. La promesse d'Allah est véridique. Allah, il ne ment pas. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et il est puissant, il est capable de faire ce qu'il dit. Il est capable de faire ce qu'il dit. Et il est sage. Après, il donne un exemple. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Il dit, si vous voulez, c'est-à-dire, فِي لِسَانِ الْحَالِ, si vous voulez avoir la preuve que je suis capable de faire ce que je dis, regardez ce que j'ai créé déjà. Regardez les cieux, regardez les terres, ce ciel qui tient son pilier. Allah a dit dans une autre sourate, Afa'ina bil khalq al-awwal, est-ce que vous pensez que avoir créé tout ce que j'ai créé, ça m'a fatigué? Ça ne l'a pas fatigué. Et Allah, il a très certainement créé un paradis. Après que les gens y soient sortis du pont qui est au-dessus de l'enfer, ils arrivent dans un endroit qu'on appelle Meydan al-Ahwad, le terrain des bassins. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque prophète, il a son bassin. Et j'espère que c'est mon bassin qui va y avoir le plus de monde. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar, l'abondant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon bassin, il est devant le paradis. Ses deux côtés sont carrés. Sa boisson est plus blanche que le lait. Subhanallah, qu'est-ce qui est plus blanc que le lait? Plus sucré que le miel. Mais c'est-à-dire un goût qu'on ne peut pas imaginer. Pour les Arabes de l'époque, le top, c'était le miel. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'aime pas le miel. Non, t'inquiète pas. C'est plus sucré que le miel, plus bon que le miel. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attend à côté de son bassin les gens de sa umma. Et chaque prophète, il attend à côté de son bassin. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'espère que c'est ça, ce sera dans mon bassin où il y aura le plus de monde. Al-Kawthar, il commence à l'extérieur du paradis et il termine dans le paradis. Ses deux côtés sont carrés et sur les bords, il y a des coupoles en or. Et son fond, il est en musc, le meilleur musc qui existe. Et il y a autour des vases et des bols pour pouvoir boire. Plus nombreux que les étoiles qu'il y a dans la terre, dans le hadith, le prophète il dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accueille les gens. Marhaban bikum, ahlan.
et il accueille les musulmans. Et chaque prophète, il attend sa communauté. Et parmi les prophètes qui sont passés, il y en a qui ont été suivis par personne. Personne n'a cru en eux. Donc ils vont boire dans leur bassin et eux-mêmes, ils vont se diriger vers le paradis. D'autres prophètes, juste une famille a cru en eux. D'autres prophètes, juste une personne a cru en eux. Ils vont boire et vont se diriger vers le paradis. Amma ummat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaf wa mala'in. Quel milliard, combien de milliards de personnes ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Des gens d'Europe, des gens d'Afrique, des gens d'Asie. Ils viennent à Fouaja, à Fouaja, des humains et des djinns. Et il y a des gens, ils ont la chance et l'honneur, tellement qu'ils avaient la sunna, la tradition et les manières du faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur vie. Ils vont boire del kawthar dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ja'alna minhum. Et d'autres, ils vont se servir eux-mêmes. Quand toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est réunie, ils se dirigent vers le paradis. Avant le paradis, Ibn al-Qayyim al-Jawzi raconte dans son livre Hadi al-Arwah ila Jannat al-Afrah. Il raconte dans ce livre où il décrit le paradis dans le détail. Il dit avant le paradis, il y a un autre petit pont. À ce pont, les musulmans, ils règlent shahna, les querelles qu'il y avait entre eux. Eh Foulain, j'avais parlé sur toi. Et il prend une de ses hasanats. Et un tel, la dernière fois, c'est moi qui avais fait telle chose. Et ils règlent ça parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au paradis et il reste encore des choses dans leur cœur. Après, quand ils traversent le pont, ils voient que la première porte du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'un côté de la porte à l'autre côté, il y a 40 années de marche. Mais arrivera un jour où elle sera trop petite pour accueillir les milliards de personnes qui vont entrer dedans. Et ils trouvent devant cette porte le gardien, wa ismuhu Ridwan. Son nom c'est Ridwan. Et ils le trouvent souriant, beau, avec des couleurs incroyables. Si juste voir Ridwan, c'était la récompense de toutes tes actions, la kafaka, ça t'aurait suffi. Et dès qu'ils arrivent, Ridwan, il leur passe le salam en abondance. Salamun alaykum, salamun alaykum. Mais ils trouvent la porte fermée. Et disent, ya Ridwan, ala taftahu lana. Est-ce que tu n'ouvres pas la porte pour nous? Et Ridwan, il leur sourit. Il dit, assalamu alaykum, assalamu alaykum. Jusqu'à que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, assis sur sa chamelle. À sa droite, Abu Bakr. À sa gauche, Omar. Devant lui, Bilal ibn Rabah en train de tirer la chamelle. Et derrière lui, toute la Umma en train de marcher. Yud'a yawm al-qiyamah kullu unasin bi-imamihim. On appellera chaque personne avec leur imam. Et ils marcheront derrière leur imam. Et ils marcheront derrière ceux qui ont été la cause de leur guider. La personne qui a été la cause que toi tu viennes à la mosquée. La personne qui a été la cause que tu rentres dans l'islam. Elle marche devant, toi tu marches derrière elle. Tout ce que tu as fait, il a la photocopie. Et quand Ridwan il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit assalamu alayka ya habib Allah. Qad amarani Allah an la aftah al-bab li ahadin min an-nabiyyin qablak. Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné. Ridwan il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il m'a ordonné de n'ouvrir la porte à aucun prophète avant toi et à aucune communauté avant la tienne. Et voilà qu'ils ouvrent la première porte. Quand ils ouvrent la première porte, ils voient 8 autres portes écrit dessus. Chaque titre pour chaque porte. Bab al-Salah, la porte de la prière. Bab al-Zakah wa al-Sadaqat, la porte des aumônes. Hein? La porte du jeûne, de ceux qui ont jeûné. Hein? Ils ont jeûné régulièrement. La porte de ceux qui faisaient l'Umrah et le Hajj. La porte de ceux qui servaient la cause d'Allah dans les expéditions, dans le chemin d'Allah. La porte des parents, pour celui qui respectait son père et sa mère plus que toute chose. La porte salat al-duha, la prière de duha, la prière de la matinée. Et il est dit que la 8e porte, c'est la porte du zikr. Qu'Allah il fasse rentrer par ces portes. Quand tu arrives devant une de ces portes, les anges ils t'appellent. Ils disent un tel fils d'un tel ou une telle fille d'un tel. Ta'ala min hadha al-bab. Rentre par cette porte, tu étais quelqu'un qui priait beaucoup. Oh un tel fils d'un tel, rentre par cette porte, tu étais quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Oh un tel fils d'un tel, oh une telle fille d'un tel. Ta'ala min huna wa ta'ali min huna kunti tubirru walidayk. Tu étais très bien avec tes deux parents.
Et chacun y rentre par rapport à la porte qui lui correspond. Abu Bakr radhiallahu anhu a dit, « Ya Rasulallah, c'est possible qu'on nous appelle par différentes portes ?» Il a dit, « Bien sûr, il y a des gens, ils vont arriver devant les portes, on va les appeler par tous les 8 portes. Rentre par celle-ci ou par celle que tu veux. » Tu étais quelqu'un qui faisait toutes ces actions. Et pour chaque porte, un cadeau particulier qu'il n'y a pas dans les autres portes. Pour la porte d'Ar-Rayyan, la porte des gens qui jeûnaient beaucoup, dès qu'ils rentrent, on leur sert une coupe. Une coupe en or avec une boisson comme ils n'ont jamais goûté de leur vie. Et quand ils la boivent, plus jamais ils auront la soif de leur vie. Et avant d'entrer au paradis, leur corps, il change. « In kunta shaykhan kabiran ta'bana maridan » فالله سبحانه وتعالى يبدل جسدك إلى شابا طيبا قوي على سورة أبينا آدم 60 ذراعة في السماء. Si tu étais une personne âgée, fatiguée, Allah سبحانه وتعالى te redonne ta jeunesse, 33 ans, l'âge de Isa, la beauté de Yusuf, le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la taille de Adam alayhi salatu wa sallam, 30 mètres. 60 coudées dans le ciel. Et ils rentrent au paradis et des enfants ils courent vers eux. Ghilmanun mukhalladun, des enfants éternels, ils restent enfants éternellement. Ka'annahum lu'lu'um maknun, ils sont comme des perles qu'on a éparpillées et ils courent vers eux avec un visage souriant et avec des plateaux d'or et d'argent. Et dans ce plateau, il y a zad samak. Il y a l'excroissance du poisson. Et ils disent, goûtez à ça, goûtez à ça. Et quand ils goûtent, ils voient que c'est meilleur que tous les repas qu'ils ont mangés sur terre. C'est juste les croque-monsieur du paradis. Et après, ils voient devant eux, comme Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi, il décrit dans son livre, l'aune dans lequel c'est écrit, « Ma qaddamna wajadna, wa ma akalna rabihna, wa ma tarakna khasirna » Et dans un autre pylône qui est plus grand, plus beau que les autres, Ummatun Muzniba wa Rabbun Ghafur, écrit en lettres d'or. Dans le premier pylône, il voit écrit, tout ce que nous avons avancé, nous l'avons trouvé. Et tout ce que nous avons mangé, nous l'avons gagné, ça y est, ça a été utilisé. Et tout ce que nous avons laissé sur terre, khlas, nous l'avons perdu. Et dans le plus grand pylône, il voit écrit en lettres d'or, une communauté qui commet des péchés et un Seigneur qui pardonne. Et un Seigneur qui pardonne. Après cela, chacun, Inch'Allah, on se rapproche. Après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « La ya'arifanna ahadakum baytahu min al-jannati akthara mimma ya'arifu baytahu fi dunya ba'da salat al-jumu'a. » Il dit, « Chacun d'entre vous, il connaîtra où est sa maison dans le paradis encore plus. » Qu'il ne connaît sa maison après la prière de Jumu'ah dans ce bas monde. Et il regarde dans le ciel. Et quand tu regardes là-bas, tu vois que des délices, de la perfection et un royaume vaste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith, Inna fil jannati la qusur mabniya ala sahab. Faqalu ya Rasulullah wa kayfa nasiluha. Qala alam tarau kayfa yatiru tayr. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le paradis, il y a des palais construits sur des nuages. Ils ont dit, ya Rasulallah, mais comment on va y arriver alors si c'est construit dans des nuages? Le prophète l'a dit, est-ce que vous n'avez pas vu comment Allah fait voler l'oiseau? Dans le paradis, chacun d'entre vous, il peut voler comme volent les oiseaux dans ce bas monde. Et quelles sont les activités des gens du paradis? Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans ce dunya, il leur attrape de l'autre côté. Tout ce qu'il leur avait interdit dans ce dunya, de l'autre côté, c'est permis. Il leur avait interdit l'alcool, Allah il leur donne khamr al-jannah. C'est pas comme le khamr de dunya. Il leur avait interdit à la prière de Jumu'ah de faire le commerce. Allah il leur a donné tous les Jumu'ah dans le paradis, un marché. Dans ce marché, il y a tout ce qu'il y avait sur terre que tu as pu acheter ou que tu n'as pas pu acheter. Et il y a des choses qui appartiennent que dans le paradis. Et il n'y a pas de dirham ni de dinar. Dès que tu vois un magasin, tu vois ce qui te plaît, tu l'achètes, tu le prends. Jusqu'à que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
Une des personnes, elle marche dans le paradis et elle voit un vêtement qui lui plaît et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala et le vêtement il vient directement sur lui. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala il est équitable et juste. Ibn al-Qayyim al-Jawzi il décrit, il dit, arrivera un moment dans le paradis, un vent il va souffler dans les arbres et ça va créer une mélodie que jamais les gens du paradis ont entendue. Une mélodie incroyable. Le paradis bouge. Ça en fait bouger le paradis. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux gens du paradis. Il dit, est-ce que vous voulez que je fasse écouter mieux que cela? Il dit, ya Allah, qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? C'est la meilleure mélodie, meilleure musique qu'on a entendue. Allah il dit aux femmes du paradis, et les femmes du paradis elles chantent. Et leur voix elle est meilleure 70 000 fois que la mélodie qu'on a entendue. Allah il dit, vous voulez que je vous fasse écouter meilleur que cela? Dis-y Allah, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cela? Allah il dit à Daoud, oh Daoud, récite un peu de ton livre, récite du Zabour. Et quand Daoud alayhi salatu wassalam va se mettre à psalmodier, le prophète sallallahu alayhi wasallam dit, sa voix est meilleure que 70 000 hein, flûtes et instruments. Et Daoud il psalmodie sur terre, dans le dunya. Quand Daoud alayhi salatu wassalam il récitait Zabour, les montagnes, ils bougeaient. Allah dit dans le Coran, Ya jibal wa awwibi ma'ahu wa tayr wa allanna lahu al-hadid. Allah dit, dans ce bas monde, les montagnes, elles bougeaient et les oiseaux, ils bougeaient quand Daoud y récitait. Et là, c'est vraiment le top de ce qu'ils ont entendu. Allah dit, vous voulez que je vous fasse écouter mieux que cela? Ils disent, Ya Allah, qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? Allah dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, récite du Coran. Et à ce moment-là, le prophète sallam, il récite et sa voix est meilleure que la voix de Daoud. Et après là, les gens du paradis, ils sont au top de la jouissance. Allah dit, vous voulez que je vous fasse écouter meilleur que cela? Et disait Allah, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cela? Allah lui-même, il récite ses paroles. Surat al-Rahman, al-Rahman, allama al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même les récite. Et là, c'est vraiment l'extrême hein, jouissance pour chaque personne du paradis. Mais ceux qui passaient leur temps à écouter la musique dans Dunya, ils seront privés ce jour-là. Dira, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'entends rien. Et les autres, ils sont en train de bouger, ils sont en train de profiter. On essaie d'avancer, Inch'Allah, tabaraka ta'ala. Et les activités des gens du paradis hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, un homme, il est venu, il a dit, Ya Rasulullah, Afil jannati tumur, inni uhibbu tumur. Est-ce que dans le paradis il y a des dates? Moi j'aime bien les dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des dates dans le paradis. Elles font dans le sens du hadith 150 mètres de distance et tant de kilomètres de hauteur. Et dedans il n'y a pas de noyau. Il a dit à Rasulullah, est-ce que dans le paradis il y a des déserts? Moi j'aime bien le désert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des déserts dans le paradis, mais le sable, il est fait en musc. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a des chameaux dans le paradis? Moi, j'aime bien les chameaux. Le prophète a dit, Allah, il créera pour toi des chameaux, mais pas de terre. Parce qu'Allah, il nous a créé de terre. Il a créé les gens qui vivent ici de terre. Les djinns, il les a créés de la partie haute de la flamme. Mais dans le paradis, Allah, il crée à partir de l'émeraude, à partir du diamant, à partir du miroir, à partir de ce qu'il veut. Et il créera pour toi un chameau en émeraude rouge avec deux ailes, elle vole avec toi où tu veux. Lahumma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Allah dit tout ce qu'ils désirent, ils l'auront là-bas. Tout ce qu'ils désirent, ils l'auront là-bas. Tout ce qui correspond à ton époque, tu l'auras là-bas. Tout ce que tu n'as pas pu avoir ici, tu l'auras là-bas. Là-bas, c'est l'endroit pour compléter les passions. Allah il a appelé des endroits dans le paradis Jannatul Hawa, le jardin des passions, Jannatul Na'im, le jardin des délices, Jannatul Ma'wa, le jardin du refuge. Jannatul Hawa. Et chacun il profitera selon ses actions. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis. Tout ce qu'ils désirent, ils l'auront. Et ce qu'ils ne connaissent pas, Allah il leur apprendra. Des couleurs qu'ils ne connaissaient pas, des formes et des goûts qu'ils ne connaissaient pas, des activités qu'ils ne connaissaient pas. Et son paradis, il sera comme lui, il aime. Est-ce que vous n'avez pas entendu Asya, qui était la femme de Pharaon, dire
Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Oh Allah, construis-moi auprès de toi. Ce qu'elle cherche en premier, c'est le voisinage d'Allah, d'être voisine à côté d'Allah. Construis-moi auprès de toi une demeure dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le paradis, des palais, ils sont faits en diamants. De l'extérieur, tu vois l'intérieur. De l'intérieur, tu vois l'extérieur. Il n'y a pas de fatigue dedans. Et en dessous, il coule des rivières. Et les rivières du paradis, quand tu la vois, elles ne touchent pas le sol. Elles flottent au-dessus du sol. Sur les deux côtés, il y a des rubis et des diamants. Et quand tu veux en boire, tu l'appelles et maintenant elle vient vers toi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a l'homme dans le paradis, il regarde dans le ciel et il voit un oiseau bien portant en train de voler avec des couleurs qu'il n'a jamais vues. Et il dit, j'aimerais bien manger ça. Et le temps qu'il baisse les yeux, il voit que l'oiseau, il a été préparé devant lui avec la cuisson qu'il voulait. Inna hadha lakum jaza. Allah dit, ça c'est votre récompense. Parce qu'Allah, il aime donner. La base, Allah, il avait mis le premier homme dans le paradis. Et dans le paradis, il y a le plus haut degré du paradis qui s'appelle Firdaus al-A'la. C'est le terrain où Allah subhanahu wa ta'ala dit fala waj'altu fiha khatm fala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Allah dit, le Firdaus al-A'la, c'est moi-même qui l'ai construit. En bas, j'ai laissé les anges construire. En haut, c'est moi-même qui l'ai construit. Et c'est moi-même qui ai préparé chaque récompense pour ceux qui sont en haut. Firdaus al-A'la. Aucun œil n'a vu ce qu'il y a dedans. Aucune oreille, aucun cœur ne peut imaginer ce qu'il y a dedans. Et j'ai mis sur lui un cachet. Même les anges ne savent pas ce qu'il y a dedans. Rapprochez-vous, mes frères. Chacun y fait un pas devant, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous fasse avancer dans le paradis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. نمفخر لذنوب يفتح الأبواب ما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. فالسؤال هل أنا أكون منهم؟ La question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que le paradis il est ou il est pas. Il est. الجنة حق والنار حق والنبيون حق. Mais est-ce que nous on va faire partie de ces personnes là? Est-ce que nous, on va rentrer dedans? Parce que seuls rentrent au paradis les gens qui ont un cœur doux, un bon caractère, le respect des liens de parenté. Et tous les orgueilleux, les vaniteux et les fanfarons, ils seront éloignés du paradis. وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur, il ne rentre pas au paradis. Enfin, la question c'est, est-ce que nous on fera partie de ces personnes-là? Est-ce qu'on rentrera dans ces délices? Parce qu'Allah il a déjà écrit la liste des personnes qui vont rentrer au paradis. Est-ce que ton nom il est dedans? Est-ce que ton nom il est dedans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne rentrerai pas dans le paradis par mes actions. Mais c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qarribu wa saddidu. Mais sachez que vous ne pourrez pas réussir à rentrer au paradis seulement par vos actions. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il fait miséricorde à qui? Ar-Rahimoun yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui eux-mêmes font miséricorde aux créatures, Allah il leur fera miséricorde. Enfin, ça doit être notre souci, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Et ça doit être notre discussion au quotidien. Combien est-ce qu'on parle du paradis entre nous? Combien est-ce qu'on en parle avec nos amis, avec notre famille, avec nos enfants, avec les gens qu'on connaît, les gens qu'on ne connaît pas? Faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse avancer vers le paradis. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma udkhilna fi jannatik. Allahumma udkhilna fi jannatik wa udkhilna fi rahmatik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم راشدين
الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت الله ربنا استوى اعتدل وتراصوا صوصفكم وعذوا بين المناكب وصدوا الخلل أثابني وأثابكم الله صلوا صلاة مودعين رحمكم الله